la période d'or des tripots ou trépigneux, c'est 1900. Là, il y en avait, c'était le top, il y en avait partout en France. Donc le fonctionnement, c'est de la traction animale, c'est à base de traction animale. Donc tu vois ici, hein, je ne sais pas si tu l'as filmé, donc on voit le tapis ici. Voilà, alors le tapis il est monté sur des roulettes. Donc le principe, le cheval monte à l'intérieur et le tapis va bouger et le cheval va se rattraper au fur et à mesure. C'est comme un hamster dans les petites cages, comme les enfants ils ont, la roulette, tu vois, tac. Donc tu vois le cheval, il va avancer et le tapis va s'échapper et au fur et à mesure, les roulettes vont descendre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va faire fonctionner cette grande poulie qui est là. Là, j'arrive pas à la faire fonctionner, mais elle tourne, vas-y, la courroie, Sam. Là, tu vois. Et donc, la grande poulie fonctionne, elle entraîne celle-ci, qui va entraîner tout le mécanisme. Alors, le mécanisme à l'intérieur, c'est simple. Ici, tu as, il entraîne un ventilateur. Le mécanisme, il y a un ventilateur. À l'intérieur, il y a un extirpeur de paille. Et tu as aussi un trieur à l'intérieur. Et le blé ressort de chaque côté. Il y a des goulottes et la paille ressort derrière. Alors ce que je t'ai pas dit, c'est qu'au départ, les gerbes de blé sont mises au-dessus. Donc elles descendent à l'intérieur. Elles font tout le chemin que je viens de t'indiquer. Voilà, tout simplement.